Et salut les amis, on se retrouve là sur No Man's Sky pour un tuto comment avoir la nouvelle cellule de distorsion. Parce qu'il y a une nouvelle cellule de distorsion, il y a l'ancienne, bon l'ancienne normale, mais il y en a une nouvelle. Donc tu fais comme sur la vidéo, donc tu prends ton scanner de signaux pour localiser les structures proches et tu vas tomber automatiquement, bon automatiquement non, tu vas tomber sur des campements mineurs, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Et là, il faut aller. Après, est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai trouvé là-dessus. Les complexes, complexes laboratoires, un truc comme ça, je crois. Et du coup, voilà. Du coup, vous y allez, vous y allez. Par contre, voilà. Donc, en tout cas, on va continuer à en parler. Mais ce truc-là, en fin de compte, il vous permet d'avoir votre hyperpropulseur. De 0 à 100 en une seule fabrication en fait. Au lieu d'en faire 6, vous en faites que 1. Mais le problème, c'est que voilà, bon, c'est pas un problème, c'est qu'il vous faut des cristaux de tempête pour le fabriquer. Le nouveau cellule de distorsion. Il vous faut des cristaux de tempête et de l'antimatière. Bon, l'antimatière, c'est pas bien grave. Mais les cristaux de tempête, bon, c'est pas, ça se trouve sur les planètes avec des tempêtes, qui dit bien le nom. Voilà, bon, vous cassez la porte, vous cassez la porte avec votre n'importe ce que vous avez, votre plasma ou n'importe, peu importe. Moi, en tout cas, j'avais ça. Bon, j'étais en mode créatif, donc voilà. Bon, ça, pour moi, c'était pas bien dur. Mais le plus dur, attention, c'est que tu ne, t'es, ça se trouve, tu veux, ça se trouve, tu vas pas l'avoir. C'est qu'il faut répondre correctement à la bonne question. Voilà, donc c'est ça le problème, c'est qu'il faut répondre à la bonne question et pour avoir le schéma pour pouvoir construire après ton nouveau cellule de distorsion. Et voilà. Donc regarde bien, j'ai eu de la chance parce que voilà, j'ai bien regardé ce qu'il y avait marqué, j'ai bien regardé et j'ai réussi à avoir la solution. Donc voilà. Donc n'hésite pas à regarder la vidéo en entière. N'hésite pas à me dire de ce que tu penses ou quoi, si tu as des questions aussi, n'hésite pas à les commentaires, c'est fait pour. Donc, regarde, j'ai réussi à avoir la bonne question. Voilà, donc là, ça y est, le truc, l'alarme s'est arrêtée, tout ça. Donc, et là, qu'est-ce que tu dois faire? Là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire apprendre une nouvelle recette. Voilà, tu apprends une nouvelle recette. Elle est tout à fait en bas. Donc voilà, vous avez tout ça à débloquer. C'est tout nouveau avec Beyond. Donc voilà, hyper noyau à distorsion. Voilà. Donc c'est ça qui se fabrique avec de l'antimatière et du cristal de tempête. Vous avez aussi les pattes, les passes aussi, passes Atlas aussi, le V1, V2 et V3. Vous avez vraiment de tout à débloquer là-dedans et il faut répondre bien sûr à la bonne question. Sinon tu ne pourras pas. Et il faut aussi des unités de piratage pour pouvoir débloquer les schémas. Donc voilà. Donc voilà, donc n'hésite pas à me dire dans l'espace de commentaires si si ça t'a aidé ou quoi. N'hésite pas aussi le like et tout ça. N'hésite pas aussi à t'abonner, c'est gratuit. Tout ça, tu le connais. Et moi je te dis à la prochaine. Salut les amis, ciao ciao. Bisous bisous, à la prochaine. Ciao ciao. Thank you.